Un beau bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je vais vous parler du signe du zodiaque et l'archange qui lui correspond. Eh bien, aujourd'hui, c'est le signe du scorpion. Chaque signe du zodiaque appartient à un archange. Petit rappel avant de commencer, le pouvoir des archanges. Les archanges sont des anges supérieurs placés au-dessus des anges dans la hiérarchie divine. Ils possèdent de grands pouvoirs et sont en contact avec la force divine. On peut les invoquer pour se faire guider, pour obtenir des réponses ou encore pour se protéger contre les influences négatives. En fonction de vos besoins, vous devrez vous adresser à un archange en particulier. Les archanges apparaissent peu dans la Bible, mais ils sont mentionnés dans d'autres textes chrétiens de référence. On trouve également leur nom dans les textes juifs et musulmans. Ils sont souvent représentés avec une grande toge blanche et une auréole, symbole, n'est-ce pas, de leur caractère divin. Leur nombre varie en fonction de l'univers religieux dans lequel ils apparaissent. Nombreux, n'est-ce pas, sont les textes religieux et les doctrines philosophiques anciennes qui estiment que nos dates et lieux de naissance ne sont pas un hasard, mais le fruit d'un plan depuis longtemps préparé. La date à laquelle nous naissons n'est donc pas une coïncidence. Choisir de naître, c'est aussi choisir le signe auquel on appartiendra, n'est-ce pas? Il n'y a pas de fatalité, bien évidemment. Mais celui-ci participera à définir ce que nous deviendrons et quelles leçons de vie il nous faudra retenir. S'il y a 12 signes astrologiques, ce n'est pas non plus un hasard. Chacun d'eux représente l'une des étapes du cycle solaire. Chaque signe astrologique est également lié à une constellation et les anges du zodiaque veillent sur tous ceux qui sont nés sous celle-ci. Selon certaines croyances, les anges du zodiaque peuvent aussi nous aider à comprendre les enjeux du signe sous lequel nous sommes nés. Quel chemin emprunter et quel but poursuivre? Alors les 12 archanges et le signe auquel ils appartiennent, le scorpion, l'archange Jérémiel, la miséricorde de Dieu. L'archange Jérémiel est associé au signe du scorpion et on le qualifie couramment de miséricorde de Dieu. Il aide les êtres à voir leur existence selon une nouvelle perspective. Bref, ils ouvrent le chemin vers l'aube des leçons qu'il nous faut apprendre. Si vous avez besoin d'être guidé au fil de ces leçons que la vie a mises sur votre chemin, n'est-ce pas? Si vous avez besoin d'aide afin d'évaluer votre évolution, eh bien n'hésitez pas à évoquer l'archange Jérémiel. Ce bel archange Jérémiel veille sur les choses sur la terre. Il nous guide, nous soutient, nous aide, nous impulse, nous inspire à éveiller en nous l'état de compassion, de vivre dans la compassion, d'être plein de compassion envers nous-mêmes et les autres, à acquérir une vision pleine de compassion et la paix intérieure. L'archange Jérémiel facilite une attitude pleine de respect et d'amour. Il nous aide à être plein de compassion et d'amour dans toutes les situations de la vie et pendant les périodes difficiles. Ce bel archange Jérémiel est celui qui guide l'âme. Il est celui qui guide les âmes pieuses. Dans certaines écritures, il est indiqué comme étant l'un des anges de l'âme. On peut se rapporter à l'archange Jérémiel comme un vrai ami de notre âme, comme
un bon conseiller. Il nous apprend beaucoup de bonnes choses pour notre cœur. Il nous guide déjà au cours de notre vie à être pieux, à assimiler beaucoup de qualités bénéfiques. Il nous apprend comment faire pour que ces qualités deviennent une prédominance de notre être. Comment nourrir notre âme et comment vivre au niveau de l'âme. Ce bel archange Jérémiel permet aux âmes passées dans le monde de l'au-delà, n'est-ce pas, de revoir leur vie passée. Dans certaines écritures, il est mentionné que l'archange Jérémiel conduit les âmes une fois que celles-ci ont été pesées par l'archange Michaël. Ce bel archange aide les âmes pieuses qui ont quitté le monde physique à s'intégrer dans la vie de l'au-delà. Et il conduit dans un des paradis ceux qui le méritent par leur action bénéfique. Ce bel archange nous amène à analyser la vie que nous avons menée jusqu'à présent et à prendre les décisions nécessaires pour nous transformer. Il nous amène à évaluer sans peur la vie, l'histoire personnelle et même les vies passées, à apprendre des expériences antérieures pour devenir plus sage, plus centré, plus affectueux et compatissant. Il nous inspire à faire le bilan de notre vie et nous aide à comprendre la nécessité de réaliser ce bilan périodiquement. Il nous guide à l'avance par des rêves ou des visions en nous indiquant ce qu'il est nécessaire de modifier dans nos actions du point de vue de la pensée ou de l'action, action que nous considérons comme importante ou menue, nécessaire ou inutile, pour apporter une transformation dans notre évolution spirituelle, dans notre vie, ou pour revenir sur la bonne voie. Ce bel archange Jérémiel nous apprend la nécessité que les leçons de vie soient connues et correctement assimilées. Il nous aide à comprendre que souvent, ce que nous croyons, percevons et considérons comme un problème est en fait une réponse à nos demandes antérieures. Il nous aide à comprendre pourquoi nous avons demandé tel aspect dans notre vie et qu'en faire. Il nous inspire à prendre conscience de l'expérience bénéfique dans chaque action, du don que nous recevons de chaque expérience. Il nous aide à faire nos choix consciemment, à nous transformer harmonieusement. Il nous aide à comprendre que nous pouvons nous rendre compte si nous avons correctement assimilé les leçons de vie, n'est-ce pas, par le fait que nous devenons ultérieurement plus compatissants pour passer à une nouvelle étape de l'évolution spirituelle. Il est nécessaire de nous détacher, de renoncer aux mauvaises habitudes, insensées et néfastes. Ce bel archange nous explique que revoir sa vie est, pour la plupart, plus englobante quand nous nous trouvons dans le monde de l'au-delà. Mais nous pouvons le faire quand nous sommes encore en vie. Il nous aide à nous souvenir des événements de la vie que nous avons oubliés et à agir tant qu'on peut encore, modifier quelque chose. Ce n'est pas du tout bien de se complaire dans l'état de victime, dans l'auto-culpabilisation ou de faire des jugements erronés pour réaliser une transformation. Il est plus sage et plus constructif de former l'habitude d'avoir en permanence une attitude positive, pleine d'amour et de compassion envers nous-mêmes et envers notre entourage. Ce bel archange nous aide à comprendre que souvent, certaines transformations sont bénéfiques non seulement pour nous, mais ainsi, nous, les autres aussi. C'est très salutaire. Il nous aide à vivre une vie émotionnelle saine,
Il nous aide à ce que nous nous soignions émotionnellement, à définitivement éliminer les émotions négatives au niveau de l'âme, du mental et du corps. Il nous aide à guérir toutes nos relations, même celles avec des êtres qui ont été quittés sur le plan physique. Ce bel archange Jérémiel nous aide à purifier notre mental et notre corps pour vivre l'amour, la paix et l'harmonie dans tous les domaines de notre vie. Il nous apprend ainsi à retrouver la paix de l'âme. Il nous aide à opter pour une vie émotionnelle saine, à harmoniser notre vie émotionnelle. Il nous aide aussi à guérir et à définitivement éliminer la colère, les jugements tordus, la culpabilisation, le manque de pardon, les ressentiments, la victimisation, les souffrances, les amertumes. Il nous aide à comprendre que nous pouvons nous guérir émotionnellement en nous pardonnant nous-mêmes et aux autres. Il nous aide à comprendre que nous apprenons au cours de toute notre vie. Il nous aide à corriger ce qui est mauvais, à trouver les causes des traumas en revoyant la vie et les vies antérieures, à faire les ajustements nécessaires à nous transformer et à nous pardonner. Ce bel archange Jérémiel nous apprend à agir à temps afin de modifier ce qu'il faut et de guérir. C'est particulièrement le cas pour ceux parmi qui ont pris l'habitude de toujours se plaindre et de toujours regretter et qui se complaisent dans cette attitude pas du tout bienfaisante au lieu de se transformer et d'agir à temps. Lorsque nous traversons une situation difficile, n'est-ce pas, il nous conseille de ne pas donner cours aux émotions négatives, parce que les situations auxquelles nous sommes confrontés, eh bien, nous aident à ressentir de la compassion envers le monde autour de nous. Ce bel archange Jérémiel, il nous aide à comprendre notre mission spirituelle. Il nous aide aussi lorsque nous voulons apporter des aspects bénéfiques dans notre vie. Il nous aide à réaliser un passage doux pour nous et pour ceux impliqués dans ce processus. Nous pouvons invoquer l'archange Jérémiel lorsque notre vie se déroule d'après la même routine tous les jours. Il nous inspire à sortir de la routine, à créer l'espace nécessaire pour des aspects nouveaux, à les comprendre correctement et les intégrer dans notre vie. Il nous inspire à remplacer les activités banales par des actions spirituelles, à accomplir notre but spirituel, notre destinée. Nous pouvons l'invoquer si nous nous sentons bloqués du point de vue spirituel et nous aide à retrouver l'enthousiasme et le pouvoir de parcourir la voie spirituelle. En agissant de la sorte, il est possible de savoir que ce que notre Créateur aimerait nous voir changer pour connaître une vie plus épanouie. Il encourage à apprendre de ses erreurs, à résoudre ses problèmes, à aller de l'avant, à évoluer et à trouver l'envie de faire tout cela. Il est spécialisé dans l'interprétation des visions spirituelles. Il fait le point sur chaque vie afin de permettre à chacun d'apporter les changements nécessaires pour mener la vie de leurs souhaits. Besoin d'espoir? Eh bien, l'archange Jérémiel et votre ange gardien sont là pour vous le redonner. Mais avez-vous la moindre idée de qui est votre ange gardien? Quand faire appel à ce bel archange Jérémiel? Il représente la motivation et l'espoir pour les âmes parcellaires. Sa présence est importante pour ceux qui sont en quête de lumière, pour ceux qui veulent illuminer leur vie
Grâce à son intervention, il est possible de rendre sa vie meilleure pour la rendre conforme à la volonté du Créateur. Et comme je l'ai dit plus haut, n'est-ce pas, il aide également les âmes à faire le bilan de leur vie terrestre avant de monter aux cieux. C'est en effet une des missions de ce bel archange Jérémiel. Nul besoin d'attendre de passer à l'état d'âme pour faire le point sur votre vie. Vous pouvez très bien lui demander de l'aide pour le faire et ainsi rectifier le tir si besoin en est à l'avenir. Il joue vraiment un rôle de mentor et d'enseignant et son objectif est d'inciter les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes en les guidant vers la bonté du Créateur. La pierre qui lui est attribuée est l'améthyste. Petite prière à l'archange Jérémiel. Je te demande de m'aider à mettre fin à mes peurs, à mes inquiétudes et à la nervosité que je ressens face à l'avenir. Le mien et celui de la planète. Alors peut-être qu'il serait bien que vous expliquiez à ce bel archange en quoi consiste la situation qui vous préoccupe particulièrement présentement. Alors j'ai besoin de tes visions prophétiques de l'avenir. Sers-moi de guide en m'indiquant tout ce que je pourrais faire ou changer afin de préparer un meilleur avenir pour moi-même et pour toutes les personnes concernées. Faites une prière pour le remercier. Merci avec toute ma gratitude. Je vous remercie de votre écoute.